Salut tout le monde! Bienvenue à tous sur la page de la récréation en ce dimanche plutôt gris, du moins plutôt gris par chez moi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous voyez, on va jouer à Boggle. Et pour jouer aujourd'hui, ça va être seulement Nina et moi et toujours Léna qui est pas loin derrière l'écran à commenter et à discuter avec vous dans le chat. Donc Nina, ça va bien? Point d'interrogation. Ça va bien, moi, les jours de pluie, c'est mes préférés. Donc, on est allé jouer dehors avec mon chien tout à l'heure. C'est fabuleux. Et maintenant, je suis prête à jouer. Yes. Et toi, Sylvain, ça va bien? Oui, ça va, ça va. Ben, comme tu as pu le voir, j'ai sorti une vidéo avec les bibliothèques de Laval. Donc, ça, c'est un nouveau petit projet. Donc, oui. À chaque semaine, je vais sortir des vidéos en lien avec les jeux pour le mois à venir. Donc, je te dirais que ça occupe beaucoup de mon temps parce que le montage, la vidéo, tout ça, c'est un peu loin dans ma formation. J'ai fait ça il y a 10 ans, genre. Ouais, mais la vidéo était très cool. Puis j'ai cru retrouver un décor que je connaissais. Ah ouais, c'est possible. Oui, j'ai bravé les dangers et je suis allé dans les rues de Montréal, me tenant à 2 mètres des passants, évitant de croiser leur toux et leur regard, pour aller me réfugier à la récréation pour filmer, parce qu'effectivement le mur de jeu est quand même beaucoup plus joli que mon fond de cuisine qu'on peut voir ici. C'est vrai que le fond était pas mal beau. Hey, j'en profite pour saluer Marilyn et Jean-Charles Doré. Marilyn est là depuis une couple de live déjà, donc cool. Salut à toi. Salut. Ouais, on a plein de monde aujourd'hui, une vingtaine, c'est cool. Donc, yes. Si vous avez jamais joué au Boggle, vous allez voir, c'est tout simple. Si vous avez déjà joué, vous allez voir qu'on a modifié un petit peu les règles, encore une fois, pour pouvoir jouer en direct avec vous. Donc, comment ça va fonctionner pour aujourd'hui? Ça va être assez simple. On va avoir à côté de nous une grille de mots en 4x4. Je vais vous la montrer très rapidement pour pas que vous prépariez. Voilà. Donc, la grille de mots, en fait, vous allez devoir former des mots à partir de ça. Donc, comment est-ce que vous formez des mots? En utilisant les lettres qui sont sur la grille. Il y a quand même quelques petits trucs à savoir, c'est que les lettres, quand vous les utilisez, vous pouvez pas utiliser plus d'une fois la même lettre dans un même mot. Par contre, vous pouvez l'utiliser pour plusieurs mots différents. Il faut que les lettres se touchent lorsque vous formez un mot. Donc, si par exemple, je veux faire le mot « ami », il faut que le A, la lettre M soit à côté de la lettre A, en haut, en bas, à gauche, à droite ou en diagonale, c'est tout bon. Okay? Puis ensuite, la lettre suivante aussi, en haut, en bas, à gauche, à droite, en diagonale, et ainsi de suite. Petit truc particulier pour le jeu en direct. Comme d'habitude, Nina et moi, on va jouer l'un contre l'autre. Si vous êtes chez vous... Et je gagnerai! Ouais, on va voir. Ça, c'est pas garanti. Si vous êtes chez vous et que vous êtes plusieurs, vous pouvez jouer entre vous en utilisant notre grille. Sinon, si vous êtes tout seul, comme moi, vous pouvez jouer avec nous... contre Nina et moi, en quelque sorte. La seule particularité, c'est que dans ce jeu-là, quand on a un mot qui a déjà été donné par quelqu'un, on ne peut pas le compter, on ne peut pas faire de point dessus, donc ça s'annule quand on utilise les mêmes mots. Nina et moi, on va s'annuler mutuellement, mais nous, on ne s'annulera pas avec vos mots. On fait confiance pour vous annuler si vous nous copiez, donc c'est fort probable que vos scores soient un peu plus faibles que les nôtres, mais c'est pas plus grave. Le but, c'est d'avoir du fun. Yes. Maintenant, comment est-ce qu'on fait des points pour les mots? Je sais qu'il y a des règles déjà établies pour le Boggle, mais je fais ça très simple vu qu'on est là pour avoir du fun. On va compter seulement les mots de 4 lettres. Donc, si vous avez un mot de 3 lettres ou moins, ça ne vaut rien. Ensuite, le nombre de points, c'est 1 point pour un mot de 4 lettres, 5 points pour un mot de 2 lettres, 6 points pour un mot, 3 points pour un mot de 6 lettres, etc., etc. Donc, plus le mot est long, plus il vaut de points, tout simplement. Donc, dans le fond, 4 pour 1 point, 5 pour 2 points, 6 pour 3 points, et ainsi de suite. Dernière chose très importante au Boggle et qui permet de faire plein de points, on peut décliner
C'est-à-dire que si vous avez un mot, vous pouvez le mettre au féminin, vous pouvez le mettre au pluriel, si les lettres sont disponibles, évidemment. Même chose, vous pouvez conjuguer aussi. Donc, c'est très ouvert, c'est très libre, c'est à vous de nous dire. Dernière chose... C'est surtout la clé pour faire des points. OK, excuse-moi. Effectivement, non, c'est vrai, c'est la stratégie. Quand tu dis c'est la clé, je te dis de quelle clé elle parle? La clé? Est-ce qu'on joue à Atmosphere? Oui, c'est ça. Oui, Seigneur des clés. Dernier truc que je voulais dire, on a Léna qui est dans le chat, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, elle va vous répondre. On va aussi être curieux de voir c'est quoi vos mots les plus longs que vous allez réussir à trouver. Et avec Nina, si jamais il y a un mot sur lequel on s'entend pas, on fait confiance à Léna pour nous trancher ça et nous dire que si notre mot il est valable ou non. Donc on essaie quand même d'éviter d'inventer 36 000 mots si on est capable. Mais la créativité, c'est pas supposé être quelque chose de positif? Oui. OK, pas à bugle, c'est bon. Ouais, c'est ça. Le wakata comme dans je sais pas si le wakata, ouais. L'animal marin là, dans le cœur a ses raisons. Bref. Mm-hmm. Donc, Nina, on a combien de temps pour faire une ronde? 3 minutes! OK. 3 minutes par ronde. Donc, yes. Si tout le monde est bon, si tout le monde est prêt, on va commencer ça. Comme je vous dis, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Léna, elle est toute disponible pour vous répondre. Et c'est pas mal ça. Donc, moi, c'est bon. Nina, est-ce que c'est bon pour toi? Je suis prête. Nous sommes prêts. Dès que tu me dis que tu as lancé le minuteur, je change l'image pour qu'apparaisse la première grille. Alors, dans 3, 2, 1, à vos crayons! Ou pas, excuse-moi, mon timer, il fonctionne pas. OK, c'est bon. Écoute, c'était la journée des problèmes techniques. OK, alors dans 3, 2, 1, c'est parti! Parfait. N'oubliez pas, c'est des mots seulement en français. À moins que vous êtes tous anglophones chez vous et que vous voulez jouer entre vous autres, mais avec Nina, on va dire qu'il y a des mots en français. OK. Oh mon Dieu, je suis bloquée déjà. N'oubliez pas que vous pouvez mettre des pluriels, vous pouvez mettre du féminin, vous pouvez conjuguer. C'est comme disait Nina, c'est une bonne façon de faire beaucoup de points. Ah, cool! Pas facile, il y a beaucoup de lettres bizarres. Hein? Ouais, j'ai vraiment de la misère à trouver des mots. Je me demande même si j'en invente pas. Ah, j'en avais presque un de bon! Ah, ça sera pas ma ronde la plus glorieuse de toute ma vie, ça. Eh hey, mon Dieu, j'en ai 3 mots. Je sais pas pour toi, là. Je sais pas 5. Pour voir à la maison. Il y en a plusieurs à 3, mais on peut pas les prendre. Ouais. Ah! Oh! Excusez-moi. En fait, je sais même pas si c'est un mot qui existe que je vais décrire. Il reste 1 minute à la maison. Ah non, mais le W, X, Y, Z avec un K en plus dans la même... En tout cas, ouais, Léna, c'est une championne du mélangeage, visiblement. Ouais. Elle voulait nous en faire une dure pour commencer. Hein. Ouais. Est-ce que ça existe, ce mot-là? On va voir. J'en ai un de plus.
Ah ben non. Mais non, j'avais déjà noté. Non, 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 c'est bon, c'est deux mots différents. C'est bon, c'est bon. 5 secondes. C'est fini, les amis! Oh my Oh God, ma là, ouais. pire performance à vie! C'est pas très glorieux, hein? Je sais pas pour vous. Guylaine a dit ES, je suis bête. Est-ce que c'est un mot? Quelques-uns, Isabelle. Bon. Je dois avouer que je l'ai pas mis, mais c'est un mot qu'on utilise souvent aux mots croisés ou au Scrabble. ES? Et ouais, c'est un genre de brebis ou quelque chose comme ça, là. Mon Dieu, les gens qui jouent à Scrabble puis aux mots croisés, là, Me ils sent. ont tout un vocabulaire. Mon chum, il joue à ça, là, puis des fois, je suis fâchée des mots qui sortent. Non, non, ça me fâche. Attends, C'est attends. déloyal. Les Wé, c'est une population d'Afrique de l'Ouest. Ok, je suis complètement à côté de la traque. Non, c'est que Wé en Ouais. anglais, c'est Ewes, c'est des brebis. Ok. Bref, let's go Nina, je t'écoute. C'est quoi tes mots? On va voir qu'est-ce qu'on a réussi à trouver. Alors, mon français, des fois, est un petit peu sur les limites, fait qu'on va voir si c'est des mots qui existent. Alors, j'ai serre, S-E-R-S. Je l'ai mis aussi. OK. J'ai 11, O-N-Z-E. Bravo. Yes. J'ai ri, R-I-E-S. Je l'ai aussi. J'ai noaille, N-O-Y-E-S. Comme il se noie. Il se Non, ça noie. va pas. Tu Je me noie. Je me noie. Non, ok, Je suis c'est pas bon, c'est sûr. bon. On va Mais je viens de laisser. voir qu'il y a noyé en plus. J'ai pas écrit Ouais, noyé. Et noyer, je j'ai l'ai mis. rixe. Ah non, mais attends, mais noyer, ben oui, t'as raison, noyer. Et avec accent Ah. aigu, S. Hein. C'est ça, exactement, c'est ça, exactement. Donc ça, je l'ai, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et j'ai des rixe, R-I-X-E-S. Ok. Bon, ben Et moi, toi, Sylvain? il me reste plus grand-chose dans ce que tu as nommé. J'ai Rix, mais pas au pluriel. J'ai noyé avec le Z. Et j'ai vous serez S-E-R-E-Z. Et je. S-E-R-E-Z, ben oui. Voilà. Et hey, puis dans le chat, là, les gens, ils sont bons. On a Siri qu'on n'avait pas Ah vu. oui. Siri, singulier et pluriel, noyau pluriel, comme tu l'as dit. R-I-E-S, oui, moi je l'avais. J'avais juste des mots en allemand qu'elle dit, Hélène. Ça, c'est très drôle. Tu peux jouer en allemand si tu veux, hein. Rix, Rix, je peux jouer. Ben oui, Mélissa, tu peux jouer, bien sûr. Ok, ben on passe à Hey, notre elle était pas prochaine facile! idée. My God! Ouais, si elles sont toutes pour être comme ça, ça va pas être glorieux comme, Je démissionne. comme direct. OK, bon, fait qu'on passe à la deuxième image. Yes, donc tu nous fais le décompte, puis je passe ça. Alors, les amis, dans 3, 2, 1, c'est parti! Ah, ben là, c'est un peu plus intéressant. Mais c'est encore pas si facile. Il y a encore un W, puis un K, puis un Z. Puis un Z. Lénore, qu'est-ce que tu fais? Finalement. On a des lettres mortes aussi, là. Le V dans le coin puis le L dans le coin, ils sont coincés, là. Ouais, puis on a beaucoup de c'est ça, de consonnes qui sont pas proches de voyelles, donc Léna a dit qu'elle s'excuse, les grilles, c'est les grilles d'une Léna en fin de session. On a trois mots. Moi aussi. Quatre. Dont un qui est une variation. Ça va être drôle.
c'est un nom de Pokémon, ça compte pas, hein? Merde! Mais est-ce que le mot Pokémon fonctionnerait? Non, c'est un nom propre. Non, c'est ça. Malheureusement, on peut pas faire de mot propre. De nom propre. Il reste une minute, les amis, à la maison. C'est pathétique comme partie. Je suis vraiment pas... Ah, oh, si tu savais. Ah ah, j'ai un cinquième mot. J'ai hâte de voir vos mots à la maison. Je voulais faire des mots de 8 lettres, moi, je pense qu'on n'est pas parti pour ça. Non, c'est clair. Ça a 15 secondes. C'est fini, les amis. Oh là. OK. Aïe, aïe, aïe. Je suis curieux de voir ce que le monde va avoir trouvé dans le chat parce que moi, c'est pas fort. Hein? Moi aussi, si tu veux, Sylvain, commence donc. OK, c'est bon, commence, parfait, il n'y a pas de problème. Donc, mon premier mot que j'ai décliné trois fois, c'est hot, H-A-T-E. Oui. Tu l'avais oui, aussi. Oui, je l'ai. J'ai tu te hot avec un S. Moi aussi. Et j'ai vous vous hâté avec un Z. Ben lui, je l'avais pas vu, tu vois, bravo. Yes. Ensuite, jeter, J-E-T-E. Ah, j'ai même pas mis jeter, J-E-T-E. Ouais. Vas-y, c'est bon. Jeter avec un Z, vous jetez. Non. OK. Puis, être ou été, genre vous êtes ou des étés, E-T-E-S. Ben oui, c'est bon. Ben oui, c'est bon, ben moi, oui, tu l'avais, excuse-moi. Excuse-moi, t'avais-tu autre chose? Non, je te dis ben oui, c'est bon ou bien oui, tu l'avais? Non, je l'avais pas, non. OK, bon, ben, ça veut dire que tu as trouvé d'autres trucs. Bravo. Oui, oh mon Dieu, Alexis est tellement bon. Il a trouvé poète, jazz, méta. Oh, wow. Hey, moi, poète, là, je suis vraiment après. Alors, moi, j'ai jeta, J-E-T-A. Ouais, ben oui. Comme ben oui. Jeta, ben oui. Ben et oui. J-E-T-A-S. Ben oui. J'ai péta. Mais je suis pas certaine si ça prend un ou deux T. Le verbe péter? Moi, j'en mettrais juste un. Moi aussi. Alors, j'ai péta, P-E-T-A, et j'ai péta, P-E-T-A-S. C'est mes mots supplémentaires. Il me semble que que c'est comme ça que ça s'écrit. Ouais, c'est ça. Oh mon Dieu! Il y a quelqu'un qui a trouvé... Hélène, elle a trouvé météo. What? Ils sont tellement bons! Mon Dieu! On devrait arrêter d'animer ces trucs-là. On est juste mieux. Il y a Mélissa qui demande si on peut mettre des mots en anglais. C'est juste seulement si tu joues 100% en anglais. Donc, tu as le droit de jouer au jeu en anglais, mais nous, on joue en français. Et tu peux pas mélanger les langues, malheureusement. Ouais. Ouais. On salue Simon Jutras. Vincent Jutras qui est là avec nous. Qui vient d'arriver. Ouais. Tempo. Jaser. Les gens, vous êtes tellement bons. Ouais. Mon Dieu. Je suis jalouse. Je suis jalouse. On a aussi Arnaud qui est là. Salut Arnaud. D'Arnaud et allez, Valentin. Oh, est-ce qu'on est prêt pour se faire exploser par le public une fois de plus, c'est vrai? Ah, c'est clair. Heureusement qu'on annule pas nos mots avec les leurs, parce que sinon on aurait juste rien, puis ils auraient comme 1000 points. C'est clair. OK, donc quand tu veux, moi je suis prêt. Alors, les amis, on continue pour une nouvelle manche dans 3, 2, 1, c'est parti! OK! Ça a l'air plus intéressant cette fois-ci. Beaucoup de voyelles. Ouais. Je vais l'écrire, mais je pense pas que ce soit bon. J'ai pris un tout petit bout de feuille depuis que, avec les deux autres trucs, je m'étais habituée à pas avoir de mots, mais là, je pense que je vais peut-être en manquer.
Ah, oh, ça aurait été tellement le fun, ce mot-là. J'étais excitée, enfin j'ai des mots. Il reste 1 minute à la maison, les amis. Ah oui? Non, j'avais déjà mis. Ah, 30 secondes. C'est fini, les amis. Ok. Oh là là. C'est un peu mieux, mais c'est pas le gros truc pour moi, en tout cas, là. J'ai plusieurs variations. Vas-y. Alors, j'ai il riait, R-I-A-I-T. Bravo. J'ai rate, R-A-T-E. J'ai raté avec un Z. Je les ai les deux, excuse-moi. Ah, ok, excuse-moi. Raté, donc avec un Z. S-A-I-T, c'est. S-A-I-T, non, je l'ai pas. Ok. Fillet. Je me fiais à lui. F-I-A-I-S. Ah oui. 5. J'ai fillet avec un T. Ouais, vas-y, c'est pour toi. J'ai FIA. Mais ça, je suis pas sûre que ça existe en fait. F-I-A-T. Je pense pas. Il se fia. Non, c'est juste FIA. Ouais, y a pas de T, ouais. Je me suis essayée. J'ai fait FIS, FIT. Tu les as pas les Non plus. deux? FIS, oui. Et FIS, oui. j'ai TAIS. Non, Oh, il y c'est... avait TESA. Merde. À toi, Sylvain. Ok. Moi, j'ai fini, FINI. Ben oui. Tu finis, FINIS. Ouais. Ils sont fins, FINS. Comme ah oui. Fin. Ouais, ils sont gentils, ils sont fins. Ou ils sont minces. Je savais qu'il y avait quelque chose dans ce coin-là. Celui-là, je sais pas si c'est légal. C'est TIFF. Je sais pas comment on l'écrit. Ouais, Ah, c'est comme bon. un fichier TIFF. Non, TIFF. TIFF, des cheveux. TIFS. Donc, Écoute. c'est très familier, mais a priori, c'est valide. Donc, Oh mon TIFS. Dieu, il y a quelqu'un qui a trouvé raisin! Bravo, Steph, excuse-moi, je viens de tomber là-dessus, là. Ah ouais. J'ai mis du feta. Ben oui, voyons donc. En plus, on a plein de feta en extra à la récréation qu'on ne peut pas passer. La pub glissée au passage. Tu fêtais. FETAIS. Donc ça me fait. Hey, c'est Saint, bon. SAIN. Ouais. Ils sont saints d'esprit. Donc, saints. Bref.
Ouais. Puis, Non, mais un autre mot familier, j'ai taf comme travail, mais au pluriel. moi, je n'accepte pas celui-là. Ben, attends, on va regarder taf. Pas un mot. Il y a Steph aussi qui a trouvé jarter. Quoi? Je trouve ça très drôle. Mais je l'accepterais probablement pas, ce mot-là, mais je trouve ça très drôle. Ah, il y a Isabelle, elle a fait triait, riait, jetait, j'étais, en fait, ou jetais plutôt. Ah Oh mon ben, Dieu, Alexis en a trouvé beaucoup. À faim, je l'ai cherché à faim, puis je ne l'ai pas trouvé. Ah oh, ben oui. ah ouais, taf au pluriel, ça existe. Oui. Ta 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 ta. Bon, OK. Saint, je cherchais ainsi, mais je ne l'ai pas trouvé. Farté, c'est très drôle. Fin, fini, rat, fait, tri, cite, cité avec un S. Je ne sais pas si. Un Z. Je sais pas si cité avec un Z, ça fonctionne. Cité, comme ça me dit rien. Mais raisin, c'est bon. Éteint. Ah, ben oui. Sniff. Bravo, Hélène, c'est très drôle, ça. Est-ce qu'on peut citer quelque chose dans le sens d'être sur un lieu? Non, a priori, je pense Je pas, ne non. penserais pas. Taf, Véronique dit que taf, c'est pas deux F. Ben, je viens de chercher sur les internets, puis TAF serait valide. Ah, hey, je salue en passant Paul Baril qui vient de se joindre à nous. Paul qui est un très bon client régulier. Alors, salutations. Ben écoutez, je pense que je me suis fait démolir par Sylvain dans cette ronde. Ben, je sais pas, j'ai fait 13 Je suis points. prête. T'as fait combien? C'est un point par lettre, hein, c'est ça? Ouais, 4. 4 lettres valent un point. OK. Puis ensuite, un point de plus. Je les compte au fur et à mesure. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, j'étais pas sûre du pointage, fait que j'étais de comment compter. T'as fait combien, tu dis? 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 points. Bon, ben, selon le Figaro, c'est TAF. Selon le Wiktionnaire, c'est TAF. Je sais pas si. Ben écoute, je te le donne d'abord. Mais de toute Merci. façon, TAF, on n'accepte pas les mots à trois lettres. Ouais, mais je l'ai mis avec un S. Ah oui, c'est vrai. Les TAF. Véronique a dit que c'est correct pour TAF avec un Ah, S. ben merci Véronique. Alors, si on est prêt pour le prochain, la prochaine image, Ouais, quand tu veux, moi c'est bon. alors ça sera pas bien pour moi. Je suis prête dans 3. À la maison, j'espère que vous êtes prêts. 2, 1, c'est parti! OK. Ce que je me rends compte dans ce jeu-là, c'est qu'il y a beaucoup de mots qui se répètent régulièrement. Ouais. Est-ce que c'est genre la même grille mais prise dans un autre sens? On dirait presque, hein, mais je pense qu'il n'y avait pas le W. Ah, oh, Non? attends un peu. Oui, c'est la même C'est la grille. même grille. Les notes ont mis deux fois la même photo. OK. Ben là, soudainement, tu trouvais plus de mots que tout Ouais, à l'heure. moi aussi. OK, on va oui, c'était ça, les amis, à la maison. On est désolés. Ah, OK. Petit problème technique. OK, j'ai la nouvelle page. On passe à la prochaine. Alors, excusez-nous à la maison, on repart dans 3, 2, 1, c'est parti! D'où mon on trouve tout le temps les mêmes Ouais, mots. c'est ça exactement. C'était très drôle. Ah, vous voyez, Vincent et Paul s'en sont rendus compte aussi. Oh, ça, je pense que. Je suis pas certaine de ce mot-là.
Ah oui, c'est bon ça. J'aimerais tellement ça pouvoir faire ce mot-là. Je suis pas bonne, j'ai juste deux mots. Parfait, ça continue comme ça. Il reste 1 minute 30, les amis. Secondes. C'est dur. Le T, là, j'aurais bien voulu le déplacer un tout petit peu. Je sais que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est fini! Ok. Oh my God! Plein d'émotions ici. Donc. Hélène a dit qu'elle avait taf comme par hasard sur l'autre Ouais. prise de tout à l'heure. C'est Ah très ben drôle. ouais. Ça va rester. OK. Tu veux y aller, Sylvain, ou j'y Ok. vais? Je vais commencer. Donc, il est HIT. Ah, ben oui. Oh, j'aime pas. Excusez-moi, je sacre. Je viens de voir out. Ouais, hâte, exactement, c'était mon prochain mot. celle-là, je suis moins sûr, mais il me semble que c'est bon. Une tonte. T-O-N-T-E. Oui, Ouais. je l'ai moi aussi. Ok. Ben oui, tonte, ben oui. C'est juste sonner comme Tonte, ça, ça. tonte le, nous tontons le mouton. Ouais, tonton le mouton. Je suis tenté de tonte. Je suis tenté que Ouais. nous tentions de tonte. Vite, V-I-T-E. Oui, je l'ai. Il se hâte, donc HATENT. Ah, oh, c'est bon, ça, bravo. Merci. Note NOTE. Ça, je l'ai. Et note NOTENT. Et non, ça, je ne l'ai pas. Du ton THON. Ben oui, j'ai pas ça. Je viens de voir Marie-Josée qui l'a trouvé, elle aussi, ton, je trouve ça bon. Puis un néon. Néon, je l'ai aussi. Ok, c'est tout. J'ai pas plus que ça. Alors, moi, j'ai. Alors, je suis pas certaine que c'est un mot qui fonctionne en français aussi. Tonne, T-O-N-E. Alors, je ne T-O-N-E? crois pas. Il me Mais semble. pendant que tu cherches, Semble je vais pas. donner mes autres mots. J'ai Tanta, T-E-N-T-A. Tantai, T-E-N-T-A-I. Nota, N-O-T-A. Et Notai, N-O-T-A-I. Ouais, malheureusement, tonne, T-O-N-E, ça semble être juste en nom propre que ça existe, hein? C'est bien ce que je croyais. Mais Ou c'est pas grave. en Écoute, on anglais. a actif, hâte au pluriel, comme tu dis, zé, note au pluriel, feta encore, tanta, comme j'ai dit. Et les gens, ils sont bons. C'est des petits mots. Pour ceux qui, à la maison et celles qui jouent avec 3 lettres, nous, on le fait pas. On commence à partir de 4. Oui, c'est ça. Hélène, moi aussi, j'ai cherché toutes les manières possibles de pouvoir faire le mot honte. Ouais, Mais je ne l'ai pas trouvé. J'aurais tellement aimé ça. même chose, ça ne cessait de revenir honte, puis j'étais comme non, mais Ah, c'est pas possible, arrête de ça aurait chercher. été. Ouais. Ça aurait été vraiment bien. Elle demande aussi, Hélène, Fita, FITA. Je me suis posé la question aussi, je ne l'ai pas écrit. Fita? Mais bon, Ça, je sais pas. Fita, ça fit.
Ouais, c'est ça. Mais je pense pas. Je pense que c'est un anglicisme. Hatif. Ah, c'est bon. Attends, non. Phyta est une lettre de l'alphabet cyrillique. Oh! C'est l'espèce hey, on en apprend tous les jours. C'est une espèce de O avec une vague à l'intérieur. Ben bravo, Hélène. C'est un mot, donc. Ouais. Je me demande, Sylvain, si t'écris des mots qui n'existent pas, t'es-tu pénalisé? En général, la bagage? Je le fais pas, mais si une personne abuse d'inventer des mots juste pour en inventer, tu sais, c'est correct d'essayer un ou deux mots comme ça, mais à un moment donné, si on passe la moitié du jeu à t'écouter dire des mots que t'as créés... Puis s'ostiner. Ouais, ouais, c'est ça. Est-ce qu'on est prêt pour une prochaine grille? Moi, c'est bon. T'as fait combien de points? Laisse-moi voir, j'ai fait... Donc, par exemple, un mot de 6 lettres, ça fait 3 points? Exactement. J'ai 8. J'ai fait 9. Bravo! C'est serré. Je pense que je vais faire le même mot. Oh là, je pense que t'as bugué un peu. Tu ne bouges plus, on ne te voit plus. Ben, on te voit figé, hein. Donc tout le monde peut apprécier ta pause. OK, je pense que t'es revenu. C'est bon? Oui, c'est bon. Excusez-moi au studio, mon internet n'est pas bon. Si vous voulez vous cotiser pour m'en acheter un autre, je suis bien pour un nouveau routeur. Alors, est-ce qu'on peut refaire la même, mais dans un autre sens, qui demande Vincent? Très drôle. Oui, c'est ça. Alors, je passe à la prochaine image. On va vérifier que ce n'est pas la même dans un autre sens. Je pense que c'est bon. Sylvain, t'es prêt? Quand tu veux. Alors, dans 3, 2, 1, c'est parti! OK. Je vois un beau mot en anglais. Ah non, il n'est pas dans le bon sens. Ah, oh, ça peut faire des trucs cool ici, là. Hey, ça sent bon la sauce spag chez moi en ce moment. Je sais pas si vous faites pas mal à la maison, vous, de cuisine à la maison, mais nous, on n'arrête pas. Moi, oui, en tout cas. Hein. Il est où le mot honte, là? Ah, je me demande si ce mot-là a été inclus dans le vocabulaire dictionnaire français. Il reste 1 minute 15. Ah, là, je trouve rien. Ah non, moi j'en ai plusieurs petits. Ah, oh, ça aurait été bon ça. Il reste 30 secondes, un petit peu moins que ça. Cinq. C'est fini. OK. Bon, j'ai plein de petits mots. Vas-y, je t'écoute. Honte, t'étais pas là. Non.
Mon Dieu, non. OK, Johan qui a dit honte, mais il manque un N dans la grille. Alors, j'ai loi, L-O-I-S. Même chose. OK, j'ai gay, G-A-I-E. Ah, moi j'ai mis G-A-I-S. Ouais. Ben ouais. Bon. Alors, ça c'est bon. J'ai débit, D-E-B-I-S. Ah ouais, débit. Comme un débit de boisson, mais je suis pas certaine si ça prend pas un T. Il me semble que ça prend un T. Ouais. Ouais, je pense aussi. Ça prend un T, je suis désolée. Monsieur essayé. Monsieur essayé. Alors, une haie, H-A-I-E. Ah, bravo. L'eau, comme des lots, L-O-T-S. Ah ben oui, je l'ai vu l'eau, mais je suis pas allé chercher le S parce que, voilà. Loti, L-O-T-I-S. Oui. J'ai bled. Alors, c'est un mot arabe. Je crois qu'il a été inclus dans le français. Bled. Je pense que oui. À vérifier. Je pense que oui. À vérifier. J'ai suis. S-U-I-S. Celle-là, je l'ai. Et S-U. OK. S-U-I-T. Même chose. Et j'ai H-A-I-S. Ouais, même chose. OK. Il me reste plus grand-chose, moi. Mm-hmm. Moi, j'ai aide. A-I-D-E. Ah, oh, ben oui. Maudit. Ben. Oups. Ah, j'ai changé la grille. Oups. Puis, je pense que c'est tout. L'autre, c'est. J'ai mis Belle, B-E-L-S, mais il me semble que ça, c'est pas accepté. Hein. Les belles hommes? Ouais, genre. Je sais pas si on peut arriver dans une situation où on met un S à Belle. Ici, je vois que ça existe, mais j'arrive pas à voir une situation où on l'utiliserait, donc. Moi, je dis que le public à la maison peut nous dire ce qu'ils en pensent. Est-ce que Belle, B-E-L-S, on accepte ça? C'est-tu tout, Sylvain, pour toi? C'est tout. C'est vraiment pas bon, là, cette ronde-ci pour moi. Il y a Cindy qui a trouvé tissu et issu. Je cherchais aussi un truc avec deux S, U, puis ça m'est pas venu. Ah, ben, tu vois, il y a Marie-Josée qui a mis Belle avec un S aussi. Bled agit. C'est bon, ça. Bled au pluriel. Ouais. Bid. C'est bon. Tissu avec un S, T-I-S-S-U. Moi, je ne trouve pas tissu avec un S. Je suis curieuse de voir comment tu le fais, Alexis. Joanie, elle a loi, l'eau, gay comme moi. Gay avec un S. Ben oui. G-A-I-E. Ben non. Comment tu fais gay avec un S? G-A-I-E-S. Je ne le trouve pas, en tout cas. Ouais. J'ai vu que Léna a répondu à... pour le béguet. Effectivement, il faudrait un E, hein. Je le cherchais, mais je l'ai pas trouvé. Ah, du blé! C'est une bonne savon mousse. Mais, il faut mais nous, on joue avec la lettre maxi minimum, donc ça ne fonctionnait pas. Est-ce qu'on peut utiliser deux fois la même lettre pour un mot? Non, malheureusement. Sauf si c'est une lettre voisine, comme dans le cas présent, où tu as deux S un à côté de l'autre, ben, tu peux utiliser les deux S dans le même mot, mais tu ne peux pas réutiliser une lettre déjà utilisée sinon. Alors, pour Belle, c'est une dite antidote. Belle est un nom masculin, unité d'expression du rapport de deux grandeurs de même nature. OK. Donc, au pluriel, égal au logarithme décimal de ce rapport. Bon. Alors, peut-être. Bon, OK. Salut en passant Amélie Aumont qui vient de se joindre à nous. Je suis sûr que ça se fait au pluriel. Bon, est-ce qu'on passe à la prochaine grille, Sylvain? Ouais, ça fait combien de points cette fois-ci? Ouais, on va passer à la prochaine, comme tu dis, exactement. Moi, j'ai fait un petit 7 points. Ouais, j'ai pas fait 3. J'ai J'aimerais ça faire des gros mots. Ah bon, ben voilà. C'est ça me rattrape avec l'avant-dernière grille. J'ai. Ah ben oui, c'est une bonne idée, ça. Alors, sur la prochaine grille, on a une lettre qui est un petit peu floutée, mais c'est assez clair qu'est-ce que c'est. Donc, Sylvain, tu es prêt? Yep. Alors, donc oui, Belle au pluriel, on confirme avec Cindy. Alors, à la maison, à vos crayons. 3, 2, 1, c'est parti! Ah oui, effectivement, on a un i flou. Oui. Encore des K, des X, des W, des Y. Des X, des W, des R, grec. Hey, on l'a eu, hein? Ouais. Pas de E. Ça va être beau comme ronde. Oh my god. Oh, on va voir toutes les consonnes sont d'autres. OK, l'objectif dans celui-là, c'est de trouver un mot. Juste un. Moi, j'en ai un de trois lettres, là, mais... Ouais, de trois lettres, ça... Encore, même trois lettres, c'est difficile.
On passe-tu à un autre gris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui trouve un mot parce que. Moi, j'ai sua, mais au singulier seulement. Ouais, c'est ça. Mais c'est un des trois lettres. Mais on s'est entendu au début qu'on voulait jouer à quatre lettres minimum. Ouais. A-U-X. Suax. Hey, je sais pas pour vous. Non, mais. Nuage. Ah, j'en ai un. Merde. Quand ça marche pour toi, par exemple, on joue, hein? Oh! Ben, Léna en a trouvé un bon, ben, elle nous l'a envoyé. C'est ça, c'est celui que j'ai trouvé puis que tout le monde est en train de dire dans le chat aussi. Là. Exact. Mm-hmm. Ouais. Je pense qu'on peut peut-être passer à une autre grille. Ouais, on va faire ça. Je pense que ça ne vous gêne pas à la maison. Il y a quand même quelqu'un qui a trouvé noyau. Attends, je ne sais pas comment il fait. Je vois pas comment tu fais noyau, François. Oublie pas, il faut que les lettres soient reliées par la diagonale ou lettre à lettre. Ondoya. Wow, ça, c'est beau, ça. Okay, on a des champions et des championnes ici. On change, hein? On a l'air trop nul. On va changer. Je stoppe mon timer. On reset ça. Alors, dans 3, 2, 1, c'est parti. Aïe, aïe. Il y a toujours un X. Ok. Bon. Oh! Là, il y a des possibilités. Maintenant, j'ai une chanson dans la tête. C'est pas grave, François, si tu connais pas tous les règlements. Alors, pour ton information, il faut toujours que les lettres soient connectées. Ouais, donc toujours la lettre par rapport à la lettre suivante. Donc, ta première lettre doit être voisine à la lettre de la deuxième qui est voisine de la troisième, etc., etc. J'ai un mot que j'aime bien. Il reste 1 minute 15. Ah. Oh, cool. J'ai tout le temps trop de réactions, moi. Vraiment. Ah non, ça marche pas ça. Ah, c'est bon ça. Il reste 5 secondes. C'est fini! Ok, bon, j'ai quelques mots. Oui. Tu veux que j'y aille, tu vois? Je peux y aller. Ok. Alors, j'ai Lise, L-I-S-E. Je l'ai. Ok, j'ai sexe, S-E-X-E. Je l'ai. J'ai loi, L-O-I-S. Ah, non. J'ai foi, F-O-I-E. Ouais. Et j'ai foi, F-O-I-S. Attends, ton loi, tu le fais comment?
J'ai fait LO. Bah, attends un peu. LOIE. Ah non, non, je me suis trompée, t'as raison. Ok, pas de problème. LOIE. Ben non, excusez-moi à la maison, j'ai triché. Donc, fois FOIS. Non. Des fois. Ouais, Voile, mais comment tu me l'as fait? VOILE. Non, mais c'est non dans le sens. C'est la même chose? Non. Attends, FOI. Ben oui, t'as raison. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? T'as halluciné un E en S, probablement. Ou un E en F. OK, excusez-moi. Voile. Ouais, voilà, je l'ai. OK, voilée au pluriel, singulier, voyons, au féminin. Ouais. Tu l'as aussi? Ouais. Est-ce que tu as féminin pluriel? Ouais. T'as pluriel Bon. aussi. Dans le fond, t'as les quatre formes. J'ai pas le pluriel singulier, masculin. Ok. Donc ça, tu l'as. Vise, VISE. Oui. Tu l'as aussi? Ouais. Visée. Au pluriel, féminin. Ouais, je l'ai aussi. Vex, VEXE. Je l'ai. Vex ou avec un S. Ouais. Et exil avec un E. Exil avec un E. EX. Non, pas de E, excuse-moi. E, exil, pas de E, oui. Ouais, juste exil tout seul, Pardon. normal. Ouais, Fait que, ouais, je exil, l'ai. ouais. Maudit! J'ai juste un point! Moi, j'ai mis un mot, mais je sais pas si ça existe. On dit de visu. Est-ce que c'est un mot qui existe pour vrai? Ah, vérifier. Je suis en train d'essayer de trouver, là, rapidement. C'est un dispositif d'affichage. Ok. Ok. Ah, il y a quelqu'un qui a folie, c'est une bonne, c'est des bons mots, Folie. ça, Ah ouais, c'est bon. voler. J'ai mis lever, comme se lever, se coucher d'une façon particulière, là, un peu en Ouais, cuillère. c'est bon, Puis là, c'est bon. je me suis mis à le décliner de toutes les façons possibles. Donc, love, Évidemment. levé et E, Ouais. levé ES, levé et ES. Hein. Ensuite, il y avait vélo. Ah, ben oui. Bravo, Sandy. Ben oui. Puis c'est pas mal tout en fait. C'est ce qui me reste après que tu aies éliminé quasiment tous mes Toutes mots. les autres. Ben oui. Folie, il y avait même folie au Mais ouais, pluriel pour il y en tous avait celles plein, qui n'avaient hein. pas vie. OIE. ES, ben oui, des oies. Éole. Tiens, je n'avais pas vu Ah ça. ouais. Oui, il y a beaucoup de. Fève. Ah, c'est bon ça. Ouais, FE, VE. VE, ben oui. Fève au pluriel, fève au singulier. Les gens, vous étiez bons? Bravo. C'est ça, effectivement. Où est-ce qu'on prend loi avec un S? En effet, il n'est pas là. On s'est trompé. En fait. Levé, Camille aussi, elle avait levé. Ouais, moi aussi, j'essaie toujours de tricher. Je suis désolée, gang. Évoli, le Pokémon. on s'en fait une dernière? Oui, une petite dernière. Ok, et après ça, on compte tous ces points-là, puis on regarde ce que ça donne. Juste dire qu'il y a Vincent Jutras qui dit qu'il pense que j'ai pris les trucs de balado ludique pour tricher. C'est possible. J'ai pas encore écouté le podcast, mais j'avoue que j'ai joué suffisamment avec Simon Jutras, son frère, pour pouvoir apprendre à tricher. Les techniques de Ah. triche. Hein? Folie. Hey, mon Dieu, les gens, bon, OK. On passe à la prochaine grille. Vas-y. Je suis impressionnée de voir à quel point les gens sont créatifs. OK. Quand tu veux. Alors, dans 3, 2, 1, ce sera notre dernière. C'est parti! Ok, on a juste un Y. Ben là, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires, mais là, je ne les vois pas encore. Oh, ça c'est cool. J'en ai un!
Oh là là, c'est pas facile. Faut pas que je regarde le live. Les gens, ils écrivent des mots déjà. Ah ouais, non, il faut pas regarder. Ah, y a des trucs intéressants. Hein? Moi, j'ai rien. J'ai un mot. Attends. Ah, il y a plein de trucs. Maudit. Ah, ça peut. Je sais pas si ça fonctionne. Regarde pas le chat, là. Non, 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 je regarde pas le chat, je suis trop concentrée sur les lettres. Il reste 1 minute 10, les amis. Oh mon Dieu, ça c'est bon! Yes! C'est sûr que tu l'as trouvé, mais bon. Ah oui, j'en ai un autre bon ici. Je viens de me réveiller, là. Ça commence à se... Quarante secondes. Non, mais non, c'est pas comme ça. Oh! Si je réagis beaucoup trop. Oh, cool. Ah, j'ai un ami qui va aimer un des mots que j'ai trouvé. Mais j'en ai quelques-uns. Bon, c'est quoi tes mots? Alors, j'ai seul. Je l'ai aussi. S-E. Tu l'as aussi? Ok. Ouais. Alors, glam, je sais pas si on l'accepte ça. Glam? C'est glam, comme glamour. Je sais pas si c'est accepté en français. C'est une bonne question. On le met en hold pour l'instant. J'ai ouais. Flan, F-L-A-N. F-L-A-N? Un flan? Ouais, ouais, c'est bon. Tu l'as pas? Parfait. Non. J'ai dingue au pluriel. Ça a coupé. Il va falloir que tu répètes ton mot. Nina? Oh, je crois qu'on te perd encore une fois. Nina est gelée. On la voit regarder probablement sa feuille. Donc, je vais vous divertir tout seul jusqu'à ce qu'elle revienne. On est toujours curieux de savoir. Oh, on l'a complètement perdu. Donc, je vais essayer de voir si je peux la retrouver. Donnez-moi 2 secondes. Désolé pour ce petit souci technique. Elle est en train d'essayer de me recontacter. Ce ne sera pas très long. On essaie d'ouvrir ça. Ça finit super bien. Hein? Je suis désolé pour les effets sonores d'appel. Ben voilà, on l'a retrouvé. Je suis désolée, les amis, pour l'Internet, encore une fois, qui n'est pas très bon. Alors, on était où, Sylvain? Alors, j'ai pas entendu ton dernier mot. On a juste entendu un gueux. Alors, moi, c'est dingue. Dingue? Ah oui, je l'ai. Au pluriel et au singulier? Exact. Zut. J'ai slam, S-L-A-M. Ah, ouais, j'avais pas. Je me demande si slama, ça fonctionne dans cette optique-là. Ouais, est-ce que slammer, c'est un verbe? Ouais, j'imagine. Oui. Alors, slama, j'ai lama, l'animal. Je l'ai aussi. Zut. Alors, ça aussi, c'est un autre mot que je suis pas certaine. Tu sais, un jam quand on fait de la musique? Ouais. Ah, genre il jamma ou jamé? Ouais. Ouf, jamma. Je sais pas, on va demander aux gens okay. du chat pour ça. Alors, on était pour vérifier flan, non pas flan, glam et jamma. Pour toi, Sylvain, ça serait quoi? Moi, j'ai Maya. Ah, c'est bon. C'est le premier que j'ai trouvé. Ben oui, c'est bon. Algue. Oh my god, c'est bon ça. Des algues. Ben oui. Si t'as fait dingue, t'as fait une digue. Ben non, j'ai pas fait digue, évidemment. Bravo. Puis évidemment, ben, je l'ai mis au pluriel. Ouais. J'ai fait un gland. Une oiseau. Ah, c'est bon. Oh mon Dieu, il y avait tellement de mots. Une langue.
Ben oui. Et des langues. Marie-Josée, elle avait tout trouvé seule aussi. Puis, ben, tant qu'à faire langue, j'ai fait mangue et des mangues. Oh non! Oh mon Dieu, je me suis tellement fait avoir! Oh non! Voilà. Audrey aussi, elle a eu toutes tes mots, là. Elle était bonne, là, Audrey. Oh mon Dieu! Ouais, les gens demandent, disent que jam c'est bon, sauf que la question c'est est-ce que jamais. Ouais, c'est ça, Vincent. Ah, Est un verbe. Vincent Jutra dit que ça prend 2 M. Ouais, je suis pas contre ça aussi. Dingue, oui, langue maya. Digna, je sais pas. Gay au pluriel, ils sont gays. Des gays. C'est bon ça. 2 M pour jamais, ben oui. Québéquisme, québécisme. Bon, ben, ça aurait été ma meilleure Seulement ne blague. fonctionne pas, qu'elle dit Cindy. Mais c'est un verbe, non? Eh bien, c'était une bonne crise, celle-là. Je me suis fait complètement avoir par Sylvain dans toute cette partie. Nice. Mes malheureux 4 points. Ouais, non, j'ai fait 27. Hué! Oh, ouch! Ouais, je pense que Sylvain est vraiment franchement meilleur que moi au jeu de mots. C'est pas grave, j'ai mes forces dans d'autres choses. Ça fait. Est-ce que tu es capable de compter tes points, Sylvain? Ouais, c'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'on compte nos points? Ouais. Je vais tout rapporter ici. Oh là là, je me fais exploser par Sylvain. Mon total est proche de son dernier score. Malus. Ah, oh, ben oui. Attends, comment tu fais? Oui, malus. Hey, c'est bon ça. Bravo. Rémi, c'est un bon mot, ça aussi. Ok, c'est Hey, bon, c'était vraiment une bonne grille. J'ai vraiment échoué ma vie. j'ai fait mon Bon. total. Fait que t'as comme 14 000 points, c'est ça? Wow, un peu moins de 14 000, mais. Ouais, j'ai un faible 32 points. Ah ouais, ok. J'ai fait 72. Ok, je jouerai plus jamais avec toi, c'est bon. Ah, ben merci Audrey, c'est gentil. Bravo, Sylvain, ben oui. Mais non, mais c'était surtout le fun de jouer avec vous autres encore une fois. Évidemment, les points, on Exactement. s'en fout un peu. Le but, c'était de rigoler ensemble. J'espère que ça a été le cas chez vous. Vous avez été vraiment bon à la Ouais. maison, là, j'en reviens pas. Donc, on remercie Léna qui était derrière le clavier à répondre à vos questions. Puis sinon, ben encore merci à vous tous d'être venus jouer aujourd'hui. Merci Léna d'avoir joué avec moi. Oh, il y a Vincent Jutruc qui a mis un bonhomme qui pleure de satisfaction à avoir joué. Hein? Ah, on a des gens de Moi, je voudrais Genève. remercier. Excuse-moi, Excuse-moi, excuse-moi. c'est vrai. Moi, je voudrais remercier les gens qui sont là à presque toutes nos lives. Il y en a beaucoup qu'on revoit régulièrement. Lola, Audrey, je pense pas que c'est la première fois que tu joues avec nous. Nathalie, je pense que je t'ai déjà vue. Cindy, en tout cas, Hélène, Vincent, en tout cas, vous êtes... merci de jouer avec nous toutes Ouais, les c'est cool. semaines. C'est vraiment agréable. On continue encore les mercredis à 16h30 et les dimanches à 14h30. On commence à manquer d'idées, évidemment, de jeux. S'il y en a qu'on a déjà fait, vous voudriez qu'on reprenne ou d'autres idées, n'hésitez pas à nous envoyer ça en commentaire. Sinon, Sylvain, est-ce qu'on a des annonces? Qu'est-ce qu'on a qui s'en vient? Ah oui, ben pas mercredi, mais dimanche prochain, on va avoir un invité spécial. Hein? Oh oui! On va C'est un avoir de mes meilleurs amis. On va avoir JC de Fox Mine, qui est une compagnie de jeux québécoise, qui va venir présenter leur dernière nouveauté. Puis on va jouer avec lui, donc on va découvrir ça ensemble. Donc on vous invite évidemment à être là. Puis pour mercredi, notre jeu n'est pas encore déterminé, mais il y a des suggestions ici. Je vois Timeline, par exemple. Ça pourrait être possible. Timeline, ça risque d'être un petit peu compliqué si la ligne des événements devient trop longue, mais on pourrait essayer de réfléchir à une façon de le twister, c'est une bonne idée. Oui, ça pourrait être cool. Ouais, n'hésitez pas à nous en envoyer d'autres, à en envoyer via notre Facebook Messenger. On est là pour lire tout ça. Oui, alors merci beaucoup tout le monde. Profitez de ce beau dimanche pluvieux pour faire à manger et prendre du relax. C'est bon. Bye tout le monde. Merci. Bye bye.